Bien tout le monde, on se retrouve pour la nouvelle vidéo bilan d'une semaine avec son lot de rebondissements. Donc, semaine où il y a eu la nouvelle quête d'événements qui est apparue, donc quête avec réapparition, avec de nouveaux persos qu'on connaît plus ou moins, mais réarrangés. Et semaine où il y a eu, comment attends, on va récupérer les récompenses en même temps parce que là il y en a pas mal en plus. Donc semaine où il y a eu quand même pas mal de choses. On va dire mise à jour dans le tournoi et nouvelles et autres. Déjà, l'information principale que j'ai retenue de cette semaine, qui pour moi est juste incroyable, c'est que Kabam a enfin réfléchi. Voilà, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Eh ben, ils ont enfin mis ce putain d'immu-incinération sur Ghost Rider, ce qui est quelque chose d'assez... Normalement, je peux récupérer. Ce qui est quelque chose d'assez incroyable. Pour vous, c'est probablement pas l'information principale que vous retenez de cette semaine, mais moi je vous dis que c'est quand même assez incroyable. On va peut-être arriver un jour à avoir la petite immu vague de froid pour Iceman, la petite immu incinération, pourquoi pas pour Dormammu, hein, pour Morningstar, enfin voilà. Mais mis à part ça, voilà, comme on peut le voir à l'écran, sinon en arrêtant de plaisanter un peu, il y a les nouveautés qui sont arrivées, enfin les nouveautés, les petites nouveautés du mois, donc la petite arène pour gagner des persos 1 et 2 étoiles premium, donc arène assez rapide qui se joue avec des 1 et 2 étoiles, donc les points sont inversés, hein. Pour rappel, on a reçu un mail là-dessus, donc c'est pas une astuce de jouer avec les 1 et 2 étoiles, c'est fait exprès, hein. Voilà. Donc en plus de cette arène, il y a eu pas mal de choses, dont notamment aujourd'hui un truc qui est sorti. C'est les derniers fragments pour Platpool et ça me saoule légèrement, comme vous pouvez le voir en haut à droite. J'ai probablement 850 unités à la fin de. Ouais, un peu plus, je pense que je serai à 900. 900 unités à la fin de cette vidéo et il m'en faut 3000 pour le fragment de Platpool, je sais plus c'est lequel, le torse, je crois. Et il me faut 3. Donc en 3 jours que j'amasse 3000 unités, autant vous dire que ça va être archi, archi, archi tendu. Donc j'espère pouvoir le réunir. Clairement, normalement, je mettrai pas d'argent pour l'avoir. Déjà que je vais mettre de l'argent pour avoir le fragment dans les 55, 55 euros pour avoir l'autre. Je sais plus c'est lequel. Donc si c'est pas le torse, ça doit être la jambe droite, une connerie dans le genre. Et voilà. En espérant, au pire, si j'achète celui-là, avoir le fragment des 3000 unités. Ça m'évitera de dépenser 3000 unités en plus. Mais ce qui était sympa en fait dans l'offre des 3000 unités, j'irai la voir juste après ça, il reste quelques trucs. Ce qui était sympa dans l'offre des 3000 unités en fait, c'est que il y a un cristal 5 étoiles où dedans il y a des premiums mutants. Donc il y en a quelques-uns qui sont sympathiques et que je n'ai pas. Donc c'est pour ça que on aura juste 900 unités en fait. Et donc voilà, j'aurais bien aimé pouvoir tenter ce cristal, mais je pense que ça va être un peu tendu, donc là je vais essayer de farmer des unités dans les arènes de lundi à mardi. Enfin, en gros, là l'offre elle a popé pour moi vers 18h, donc j'ai jusqu'à 18h mardi pour non 18h mercredi pour me faire le mas d'unités en arène. Donc je vais faire toutes les arènes possibles et inimaginables en espérant choper ce que je veux. Donc là voilà, on va être à 130 000 probablement. J'ai cru voir passer 130 000, comment ça s'appelle, insignes de combat. Donc normalement, on devrait en être à peu près là. Je pense que voilà, en 2 jours, je pourrais amasser encore 300 000. Enfin, arriver jusqu'à 300 000. Et voilà, avec un peu de chance, on récupère encore des unités, tout en sachant que voilà, là, donc on est à 966. Je vais rusher pas mal de quêtes solo, donc notamment dans les variantes classiques. Que j'ai pas fait pour avoir le max d'unités. Donc on verra si j'y arrive. Et s'il me manque 1000 unités, enfin, en gros, s'il me manque un gros stock, bon, ce sera sans regret. Et s'il m'en manque un petit peu, il y a moyen, je craque et je mette. C'est quoi pour. Donc voilà l'offre. Hein. Donc dans laquelle il y a. Donc c'est le torse pour elle, 55 euros. Il y a 5 cristaux chevaliers pour avoir un perso précis à chaque fois. Il y a les cristaux fabuleux et les cristaux dorés. Donc, pour 55 euros, est-ce que ça les vaut? Faut vous dire que 55 euros, c'est la moitié d'un Odin, donc c'est 1500 U. 1500 U, vous les avez juste avec les unités, donc les cristaux chevaliers. Donc, c'est l'équivalent de ces 1500 U. Mais en plus de ça, vous avez le torse. Donc, comment ils mettent un prix, on ne peut pas trop, mais ça reste un personnage premium, donc ça vaut le coup. Vous avez 5 cristaux fabuleux qui vous rapporteront au minimum, donc c'est 20 unités.
Donc ça fait 100 unités. Donc oui, ça les vaut. Après, bon, est-ce que vous aurez ce que vous voulez? C'est ça qu'il faut voir, quoi. Bref, moi ce que je voulais voir, c'était combien coûte la plus petite offre. Ouais, ce qu'il me faudrait probablement, c'est la mallette de Tony Stark à 850. Parce que je pense arriver à 2000, enfin, en tout cas j'espère. Maintenant, arriver à 3000, c'est quasiment impossible, hein, je vous le dis, sans mettre de l'argent. Donc on verra. Bref, donc semaine franchement qui fut assez sympathique. J'ai pas tant joué que ça et finalement j'ai quand même fait pas mal de choses. J'ai bientôt fini un collectable déjà, donc on est dimanche et j'ai bientôt fini. Donc il y avait une utilisation d'objets plus utilisation de héros en début de QE, donc j'ai pas mal rushé. Sur tous mes comptes d'ailleurs, sur les autres comptes là, avec les mages des quêtes d'événements solo, donc on se fait plus de points sur la plupart des quêtes d'événements. Et du coup, je me fais les unités beaucoup plus facilement, ce qui fait que je suis en train de grinder de plus en plus d'unités sur mes autres comptes par rapport au début de l'année. Donc c'est fort sympathique. Et bah en plus de ça, il y a eu la fin du calendrier. Donc pour la plupart de mes petits comptes où j'ai eu les 500 unités, les éclats 6, les éclats 5, etc. Donc ça a été une semaine avec vraiment de grosses récompenses. Et sinon, mis à part ça, bon, il y a eu les petites dernières informations de Kabam avec ce lot de entre guillemets pseudo-bannissement pour le délire des unités remboursées, enfin des achats remboursés ou autres. Bon, ça, j'y reviendrai pas dessus. Il y a déjà Léo et Chris qu'on fait leur vidéo. Enfin, Chris qui a fait la sienne pour ses raisons et Léo qui a voulu faire un troll. Enfin, qui a fait un troll, mais bref. Du coup, moi, je reviendrai pas dessus. Je donne pas mon avis là-dessus. Je n'ai pas spécialement d'avis. Est-ce que c'est triche ou pas triche? En tout cas, voilà. Certains comptes ont été bannis, enfin, ont eu des unités négatives en grosse quantité, d'autres un peu moins, d'autres ont eu un peu de chance et n'ont pas été. Donc voilà, on ne sait pas trop quelles ont été exactement les raisons pour certains. Mais c'est exactement pour ça que si vous avez les moyens d'acheter un Odin, je sais que c'est tentant de vouloir aller acheter moins cher ailleurs ou autre. Payez-le si vous avez les moyens. De toute façon, si vous mettez un Odin, vous n'êtes pas à 10 euros près. Et si vous êtes capable d'en payer 100, bah 10 euros près fois 100, ça fait 1000 euros, je sais. Mais si vous êtes capable d'en payer 100 à l'année, vous n'êtes pas à 10 euros près. Donc, dans tous les cas, voilà, je pense que à l'avenir, passez toujours par le jeu et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Bref, sinon, nous, on continue sur cette vidéo bilan. Sur les cristaux, normalement je crois qu'il y a bientôt un 6 étoiles. Ah non, ah si, voilà, 6 étoiles, 8005. Donc bah, si je termine la QE, on l'aura. Donc il y aura un opening de 6 étoiles cette semaine. Il y aura aussi un opening de 6 étoiles sur un de mes petits comptes grâce aux 5000 éclats 6 qu'on a eu avec le calendrier. Donc sur mes tout petits comptes, je fais aucun opening dessus. Je trouve pas ça marrant de faire les openings en vidéo. Je vous dirai que dès que je peux. Mais c'est vrai que le 6 étoiles, ce sera mon premier sur les deux petits comptes d'ailleurs. Donc je pense que je le ferai en vidéo, peut-être dans la même, on verra. Mais il y a moyen, je me chauffe quand même pour le faire dans deux vidéos. Ça fait plus de vues, plus de thunes, hein, comme d'hab, vous avez l'habitude. Après en 5 étoiles, donc on en a un, on en aura peut-être deux pour comment dire, lorsqu'il y aura le cristal duo Science Mutant, mais il y a aussi moyen, d'ailleurs c'est vrai, on va le faire maintenant, j'y avais pas pensé, il y a aussi moyen qu'on ait le 15K qui revienne avec le bug des 15K. Et ouais, il y aura le 15K qui va revenir, donc du coup on l'achètera. Ça on peut acheter ou pas? Non. C'est juste racheter les derniers trucs, c'est dommage. Je peux pas acheter les cœurs de maîtrise, on va quand même essayer d'avoir les 3000 U. Sinon, je les aurais bien achetés, vu qu'il me reste quand même pas mal de choses à faire. Alors attendez, je sais pas. Par contre, c'est des trucs, je comprends pourquoi j'ai pas acheté avant. Et normalement, on est bon. Non, il y a ça aussi. Hop. Et normalement, on est bon. Bref, voilà. Normalement, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, oui, c'est ça. C'est ça que je voulais vous montrer. Il me reste 2 jours, 20 heures. Cristal des masques. Donc dedans, pourquoi je dis que c'est un cristal qui est intéressant? Il y a Daredevil, il y a non, Deadpool X-Force, on peut l'avoir. Non, si. Attendez, je sais plus quels personnages on peut qui sont premium. Bon, déjà il y a Wolverine. Il me semble il y a un des deux Daredevil de toute façon qui est premium. Et Deadpool X-Force, je sais pas. Bon, après, sinon, il y a Doctor Doom, hein, pour ceux qui cherchent des persos. Gwenpool que j'ai pas. Et c'est tout. Mais bref, ça fait quand même un cristal 5 étoiles avec 2-3 persos qui sont sympathiques. Donc, est-ce que ça vaut les 3000 unités? Bref.
Je vous dirais oui et non, mais comme c'est pour avoir le dernier, les jeunes jambes flingantes du fabuleux, on va essayer de les avoir, donc on verra. Voilà, classement, je ne vais pas vous montrer, il n'y a pas d'intérêt, c'est toujours buggé, et ça, bon, prestige, est-ce qu'on arrive à 10 000? Je crois pas, hein. Non, on y est presque, mais voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve rapidement sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, je souhaite une bonne fin de week-end à ceux qui verront ça avant de se coucher, et une bonne semaine à ceux qui verront ça demain. Allez, salut tout le monde!